Une mise en scène un peu ridicule, du noir intégral, pour une folie totale. La Suède a peur, et y a de quoi. Depuis 2 ans maintenant, un fou furieux en moto non seulement terrorise les automobilistes de Stockholm, mais en plus n'hésite pas à se filmer en pleine action. Si de telles images ont valeur d'exemple, c'est qu'elles montrent tout ce qu'il ne faut surtout pas faire en moto. Son comportement sur la route, ses excès de vitesse, ce n'est rien. Son passe-temps favori, narguer les forces de police, faire coup double, mettre sa vie en danger, et surtout celle des autres. Suivez bien la voiture de police. Résultat, un mandat d'arrêt et une cavale qui dure toujours. Wheeling, barefoot, tout y passe avec un danger. Trouver ça cool et facile. Oui, mais voilà, un wheeling à plus de 200 km/h sur route ouverte, ce n'est ni cool ni facile. Le barefoot, on n'en parle même pas. Pour ce qui suit, faut être stupide pour penser à ça. La moto, une Suzuki Hayabusa, 1300 cm3, préparée, ça frôle les 300 chevaux. Suivez l'aiguille à droite, 340 km/h. Pire encore, la moto témoin roule à près de 300 km/h. Le pilote en noir va la doubler en wheeling. Une chute et c'est la mort. Ghost Rider, un nom de scène pour le pilote fantôme. Et franchement, j'aimerais pas être à sa place le jour où il va se faire serrer. Et encore, c'est ce qui peut lui arriver de mieux.